Thank you. Bonjour. Aujourd'hui, j'accueille avec plaisir Romain Migus. Ça fait longtemps que je le connais. Donc, euh, moi, j'ai dit toujours le jeune Romain Migus, forcément, c'est comparatif. Romain Migus, je l'ai rencontré au Venezuela lorsque je participais à un film euh, qui a été produit assisté par Investi Action. Bruxelles-Caracas, réalisé par Vanessa Stojilkovic à l'époque. Il est intervenu là-dedans. On s'est rencontré dans un petit festival, mais euh, ma vraie rencontre, c'était euh, à ce moment-là, dans ce film, où il nous a aidés à découvrir le Venezuela, que je connaissais pas bien alors. Lui, en fait, il y est, vivait déjà depuis quelque temps. Il y a vécu longtemps, une quinzaine d'années. Il a été aussi deux années en Équateur. Je pense que c'est un des meilleurs observateurs du Venezuela qui existe en France, voire en Europe. Il y en a pas beaucoup quand on regarde la presse, et donc je pense que vous avez subi un bombardement d'infos sur le Venezuela et que maintenant il est temps d'aller checker de l'autre côté et de donner la parole. Bonjour Romain. Salut Michel, ça voilà. va Oui, ça va. Bon. Euh, on n'a pas rajeuni forcément depuis le temps qu'on s'était vu. Non, déjà mais visiblement, il y a quelques grandi, années. Parce que tu vois, avant, tu étais un oui. petit peu plus grand que moi, puis là, je... Hop, bon, il faut hop, dire ouais, qu'on oui. a triché. J'ai le siège normal. Il a un tabouret. <laughs> Romain, petit par la taille, mais grand par l'enthousiasme et la combativité. Donc, euh, Romain va nous expliquer si on peut croire ce que les médias... Nous raconte si on peut à quoi il faut s'attendre au Venezuela qu'est-ce qui risque de se passer en quoi ça nous implique et donc j'ai choisi un titre volontairement provoque. Euh, qu'est-ce que les gilets jaunes en ont à foutre du Venezuela parce qu'on nous dit il euh, y a assez de problèmes ici donc euh, euh, on s'occupe pas de l'international on s'occupe pas de l'étranger et donc ils en ont quoi à foutre les gilets jaunes Bon, alors euh, déjà, c'est pas seulement un titre provocateur, Michel, c'est un titre même complètement racoleur. Je pense qu'on devrait avoir honte de l'avoir fait, mais oui. effectivement, ça a généré euh, une certaine expectative sur les réseaux sociaux. On veut accrocher. Oh, exactement. Alors, laisse-moi commencer par te raconter, et vous raconter évidemment, une petite histoire. C'est l'histoire d'un pays, alors c'est évidemment une histoire vraie, vous en jugerez selon vos propres connaissances. C'est l'histoire d'un pays qui était euh, en proie à des mesures euh, néolibérales depuis euh, quelques années où euh, l'état avait été complètement atomisé, les services publics euh, avaient été détruits ou en passe de l'être, mmh. euh, c'était un pays où euh, la pauvreté, la précarisation du travail avait fortement augmenté et puis un jour, un jour il y a eu la mesure de trop. La mesure de trop c'est l'augmentation du prix de l'essence. Et alors là, qu'est-ce qu Non, je, je te on, raconte l'histoire d'un pays, l'augmentation oui, oui. du prix de l'essence. Et donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé que le peuple, de manière spontanée et hors des structures traditionnelles politiques ou syndicales, est descendu dans la rue pour euh, crier son mécontentement. Il y a ouais, eu ouais. une énorme répression euh, à cause de ça. Mais les gens ont, ont déjà ont fait apparaître le peuple sur la scène euh, politico-médiatique dans ce pays que je suis en train de vous dire mmh. les médias ont réagi de manière très violente parce que finalement l'irruption de ce peuple venait contredire l'image de démocratie parfaite que les médias avaient construit jusqu'alors mmh. d'accord et le, le, le peuple en descendant évidemment a pris conscience euh, de son pouvoir mmh. il a pris conscience de son auto-organisation et ça a donné euh, lieu à une profonde euh, une profonde réflexion qui mmh. allait bouleverser le système politique de ce pays, donc évidemment, donc, vous avez tu bien compris. Piégé. Je croyais que tu allais parler du Venezuela et tu es en train de parler de la France. Et non, perdu Michel, je parle <laughs> du Venezuela. Bien évidemment, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc là, évidemment, oui. non, là, on est. C'est pour ça le titre provocateur. Mm -hmm. Qu'est-ce que les gilets jaunes en ont à foutre du Venezuela Eh bien, ils en ont à foutre. Euh, une chose euh, très importante. Ce que euh, les gilets jaunes et on va dire euh, de manière plus générale, les, les, les peuples européens connaissent en ce moment, les peuples latino-américains l'ont connu il y a 20 ans. Pourquoi l'ont-ils connu il y a 20 ans Tout simplement parce que le néolibéralisme s'est implanté avant en Amérique latine. Le néolibéralisme mmh. naît avec la dictature de Pinochet en 1973 et ensuite il s'étend sur tous les autres pays du continent. Et. Euh, il s'étend avec les mêmes recettes donc euh, euh, déstructuration du, du tissu social euh, destruction des services publics atomisation de l'état et, et des dictatures militaires alors sous le verre évidemment de, de, des dictatures militaires mm -hmm. et puis euh, même après hein, sur, euh, le, quand les dictatures commencent à chuter finalement les gouvernements euh, civils qui prennent leur lait continuent sur le même modèle néolibéral et donc là euh, où c'est très intéressant c'est que les peuples d'amérique latine se sont rebellés et de manière spontanée ce ne sont pas les associations mmh. les partis de gauche ou les syndicats c'est parti qui... d'en bas c'est parti d'en bas donc là pour le coup comme les gilets jaunes et euh, sur euh, comme une traînée de poudre on va dire sur le, sur le continent alors je voudrais euh, vous lire un petit extrait d'un texte qui est fantastique. C'est un texte écrit par un journaliste argentin qui s'appelle Pedro Brieger mmh. et que vous pouvez trouver en ce moment même sur ma page Facebook. Romain mentionner mentionnera. Et je mentionne, petite page de publicité, tac, je viens de le publier pour que vous ayez accès à ce, à ce texte. Ce texte a été écrit en 2004, donc 15 ans avant les Gilets jaunes, en France. Il traite de la période de crise en Argentine de 2001 et 2003, et notamment des assemblées de voisinage. Écoutez, c'est absolument extraordinaire parce qu'à la lecture de ce texte, mm -hmm. vous pouvez enlever Assemblée de voisinage, qui était la, la figure d'organisation spontanée euh, de euh, l'Argentine en crise, donc entre mm -hmm. 2001 et 2003, où euh, Nestor Kirchner arrive au pouvoir, n'est-ce pas Vous prenez ce texte, vous changez Assemblée de voisinage par rond-point mais mm -hmm. c'est exactement... Le, le, la situation qu'on connaît en France. Donc je... tu es en train de me dire que ce qui se passe en France maintenant, c'est un remake de ce que les latinos ont fait. D disons qu'il y a énormément de similitudes. Mmh. Et donc, comme tu l'as mentionné, moi, j'ai euh, vécu très longtemps en Amérique latine et euh, je suis euh, euh, revenu m'installer en France il y a très peu de temps. J'ai découvert un pays euh, qui a énormément changé, un pays que je ne connaissais pas d'ailleurs, ce qui <laughs> m'a posé à moi-même des problèmes d'adaptation dans mon propre pays. Mais je vais vous lire un, un, un extrait de ce, de, du texte de, de Perrault-Brieger. Il parle de qui était euh, à la base de ces assemblées de voisinage. Mmh. Et il, disait, il dit « qui, donc des professionnels, des employés du secteur public et privé, déchus de façon abrupte ou progressive, des gens qui ont perdu leur lieu de travail et n'en trouvent pas de nouveau, qui ont cessé de partir en vacances, ne peuvent plus payer les mensualités, ils vendent leurs voitures ou bien ont commencé les travaux et ils ont dû les abandonner il y a ceux qui ont décidé d'accepter les retraites volontaires, entre guillemets, dans les processus de privatisation et ont fini par faire faillite dans les nouvelles entreprises qu'ils ont mises en route. Il y a ceux qui ont eu un travail stable et une bonne position pendant plusieurs années et qui maintenant, à la maturité, se débrouillent à leur propre compte sans aucun bénéfice social ni perspective d'un avenir meilleur. Mmh. Voilà, vous voyez. Vous allez dire Pedro Rieger, c'était un devin. Le mec expliquait en 2004 euh, les ronds-points de Commercy, euh, de Pertuis. Mmh. Euh, de, de Bretagne oui on a l'Argentine par France exactement, Venezuela, la similitude est saisissante mmh. alors il y a une autre similitude la, les revendications en, en, en Amérique Latine donc là j'ai évoqué le cas de l'Argentine mais oui. il y a eu le, le cas du Venezuela qui était l'exemple initial euh, en 1989 mmh. donc, qui a été réprimé dans le sang avec une très très forte euh, répression il y a aussi le cas de l'Équateur il, y a aussi... Il faut expliquer juste une chose, en 89, ça a été une forte répression, c'est un euphémisme. Le président euh, socialiste, paraît-il, du Venezuela, Carlos Andrés Pérez, a fait tirer sur la foule... Euh, dans les quartiers populaires, on est allé chercher les gens dans les maisons, ils protestaient contre la hausse du prix d'essence, contre la hausse de la vie imposée par le FMI, donc par les États-Unis et l'Europe, donc mondiale. par la France et nos gouvernements, qui ont appauvri de façon dramatique les gens. Ils sont dans la rue et on tire dessus et on n'en parle absolument pas dans nos médias. C'est important parce que donc, oui. la répression macronesque, c'est pas mal, mais il euh, y a un précédent euh, oui, dramatique. Bien sûr. bien sûr. Et alors, le, le, les, les revendications, mm -hmm. si on les euh, systématise, s'organise autour de trois points. Il y a bien évidemment les revendications d'ordre social, mmh. c'est-à-dire une demande euh, de protection de l'État, de services publics, une demande sociale, mmh. n'est-ce pas Et ça, bien évidemment, en réaction en réaction aux mesures néolibérales, et comme tu l'as dit toi-même, euh, euh, revendiquées, enfin, imposées par le FMI, la Banque mondiale et les États-Unis. Mmh. Ce qui nous amène à la deuxième euh, euh, revendication des euh, peuples latino-américains dans cette période c'est la revendication de souveraineté. Mmh. Ça, je crois que c'est très important. Donc, nous avons le social et la souveraineté. Je vais me permettre de vous lire un petit extrait d'une interview de Raphaël Correa, donc, qui a été président de l'Équateur. Qui euh, a été dans un Michel Midi précédent, d'ailleurs. Qui, qui a dans été dans un, dans un Michel Midi précédent. Donc, l'interview, mmh. euh, je l'ai prise sur le site Le Vent se lève. Et euh, Raphaël Correa nous dit la chose suivante. Il nous dit, lorsqu'en 2006, nous avons commencé notre campagne, nos slogans étaient ⁇ Retrouver une patrie ⁇ Les spécialistes nous expliquaient que ça n'allait pas fonctionner parce que les gens pensaient à leur portefeuille. Il fallait parler de création d'emplois, de construction de maisons, d'augmentation des minima sociaux, de baisse des impôts, etc. Nous avons répondu, ⁇ Nous voulons de nouveau faire rêver les gens, nous voulons de nouveau avoir une patrie mmh. ⁇ Et que signifie retrouver une patrie C'est toujours Raphaël Correa qui parle. C'est retrouver une société où chacun puisse, puisse trouver sa place. Prendre de nouveau soin de sa terre, pouvoir être heureux sur le sol où il est né, ne pas avoir à émigrer de force, parce qu'en Équateur, il y a eu 2 millions de personnes qui ont été obligées d'émigrer. Il, hein. il y a des femmes de ménage ici en Europe qui viennent d'Équateur. Exactement. Voilà le sens du rêve que nous avons proposé à l'Équateur en 2006, avoir de nouveau une patrie. Donc, vous avez vu que finalement, la demande sociale s'imbrique dans la demande de souveraineté, mmh. n'est-ce pas Et euh, la, donc, euh, je pense que là aussi, ah, le peut... social de la souveraineté. Voilà. Je pense qu'aussi, on peut toujours mm -hmm. avoir, faire un, un parallèle euh, avec euh, les Gilets jaunes, c'est-à-dire que euh, dans le sens où les demandes sociales, donc ça c'est euh, bien évident, mais il y a aussi une certaine demande euh, de souveraineté, notamment par rapport à l'Union européenne ou par rapport à des politiques que euh, les, les gens jugent imposées de l'extérieur, n'est-ce pas Et la troisième, euh, le troisième mm -hmm. euh, point de revendication des peuples latino-américains. Alors là, je pense que euh, beaucoup de nos téléspectateurs vont dire mais c'est pas possible, c'est pas vrai, il ben invente. Eh bien non, j'invente pas. C'est le besoin d'avoir une véritable démocratie, une démocratie participative. Mmh. Et ça, ça a été un point euh, central, c'est-à-dire par rapport à cette démocratie des élites qui avait fonctionné en Amérique latine jusqu'à ces points de, de cassure, les gens ont voulu approfondir leur démocratie. Et ça, évidemment, ça fait écho au RIC, à, à la demande d'assemblée constituante euh, formulée euh, sur de nombreux ronds-points en France, mais aussi par euh, euh, certains citoyens euh, en Europe. Et alors, figurez-vous que les pays comme, des pays comme le Venezuela, l'Équateur ou la Bolivie, par exemple, en arrivant, en, en ayant un, un, un gouvernement... Un, en une, une traduction électorale de ce mécontentement. La première chose mmh. qui a été faite depuis le pouvoir, c'est de convoquer une assemblée constituante mmh. et de réformer la constitution, de réformer le, la, la charte commune, le cadre commun où on allait pouvoir redonner un sens au vivre ensemble et à la politique. Et alors, figurez-vous que dans ces constitutions, eh bien, le RIC, <coughs> ce qui est le RIC en, en, en la revendication du RIC mmh. chez les Gilets jaunes, eh bien, le RIC, c'est-à-dire référendum révocatoire. Référendum pour proposer ou abroger des lois, n'est-ce mmh. pas Le RIC, c'est l'article 72, 73, 74 de la Constitution du Venezuela. Une des premières choses que Chavez a fait en devenant Une des premières choses. Le RIC, c'est aussi l'article 103, 104 et 105 de la Constitution de l'Équateur. Donc après l'arrivée au pouvoir de Rafael Correa et de la Constituante mise en place. Et le RIC, c'est aussi l'article 11 de la Constitution en Bolivie après l'Assemblée constituante convoquée par Evo Morales. Donc là, si tu veux, on a quand même de, de, de très fortes similitudes avec les mouvements de grogne en France et avec ce qui s'est passé il y a 20 ans en Amérique bon, latine. Donc là, on savait qu'on invitait un peu dans la provoque, mais ici, ce qu'on entend, toi, tu viens de revenir en France, mais ce que nous, on entend ici depuis des années, c'est Chavez dictateur, Maduro dictateur, et toi, tu es en train de nous dire qu'en fait, ils sont beaucoup plus démocratiques que ce qu'on a ici oui. en Europe. Alors, je voudrais juste rajouter un petit point, c'est, euh, euh, on nous dit, euh, le mouvement des Gilets jaunes en France est en train de baisser, il perd de sa force, et il y a certains, d'ailleurs, Gilets jaunes, qui... qui qui euh, euh, auraient tendance à, 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 à s'essouffler, à ne plus croire dans le mouvement. Je vais vous dire quelque chose. En Amérique latine, ça n'a pas été immédiat. Ça a mis entre deux ans, en Argentine par exemple, et dix ans au Venezuela. C'est-à-dire l'explosion de ce mécontentement et l'apparition du peuple comme sujet politique et historique et sa traduction électorale. N'est-ce pas La traduction électorale a été nécessaire pour pouvoir amener... Les revendications populaires euh, de, euh, pour un véritable changement depuis les arcanes de l'État. Alors, il y a eu, on va dire, des modèles dans les leaders qui ont surgi. Ces leaders, aucun n'a surgi du champ politique traditionnel. C'est toujours des gens venus d'en bas et surprenants. Oui, au surprenant en tout cas. Nous avons par exemple euh, une personne qui vient des corps constitués, qui n'était pas du tout un politicien, etc. C'est le cas euh, du d'Hugo Chavez, donc qui était militaire. Nous avons le... Mais de filles de, de familles très pauvres de familles très... et de familles pas comme l'élite blanche qui a toujours considéré les oui. pays comme, euh, comme sa fait. propriété. Et, et, et donc... et tout à fait, et avec une formation, y compris euh, qui allait de formation patriotique au sein de l'académie militaire et aussi de gauche, euh, notamment formée par euh, le, le théoricien marxiste José Esteban Ruiz Guevara, mm -hmm. non, à Barinas, dans son état natal. Donc nous avons... Un des modèles. La... Le corps constitué, la personne qui sort des corps constitués. Nous avons aussi le modèle d'une personne qui, euh, qui n'était pas politique, qui était un, un, un spécialiste économique, qui a essayé de participer au gouvernement et puis, voyant le marasme euh, dans lequel il se trouvait et l'impossibilité de changer tant qu'on conservait euh, les, la, la doctrine néolibérale, a décidé de changer les choses de l'extérieur mmh. et de se présenter. C'était le cas de Rafael Correa en Équateur. Nous avons aussi un politicien qui, alors de carrière, mais qui était un peu excentré par rapport à la, à la vie politique de la capitale. Là, c'est le cas de, de Nestor Kirchner en Argentine. Oui. Et Evo Morales, et Evo Morales un qui venait des mouvements syndicaliste, euh, syndicaliste de base qui, paysan. Oui. Alors, syndicaliste Désolé. Oui, mais là, on aurait tendance à, à rappelle-toi, à, 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 on va dire, européaniser le mot. Oui, non, non, vrai mouvement syndical. Oui, et surtout un mouvement social aussi, plus mmh. que le, le, le syndicalisme tel qu'on le connaît. Euh, euh, en Europe. Donc voilà les figures qui ont émergé, elles n'ont pas émergé tout de suite. Donc effectivement, je, je, par rapport à l'expérience latino-américaine, je dis évidemment aux Gilets jaunes, intéressez-vous à ce sujet-là parce que ça vous, ça vous concerne directement. Et puis aussi, ne perdez pas espoir parce que même s'il si n'y a pas de traduction immédiate de vos désirs politiques euh, et, et de, de, de vivre ensemble, il y a effectivement un espoir qui n'est pas forcément immédiat, mais qui va arriver certainement dans les années à venir. Donc voilà. tu nous dis qu'en fait c'est une question d'espoir à long terme, que c'est une lutte qui ne fait que commencer et que même si elle a des hauts et des bas, ce qui est tout à fait normal, elle est porteuse de toute une réflexion oui, pour un, oui. un vrai changement. Parce et que pour... c'est une question que nous pose François, quelle est la solution pour en finir vraiment et donc, on va parler de ça, certainement, mais donc, un premier élément, c'est de s'intéresser beaucoup à ce qui euh, s'est passé en Amérique latine. Euh, je voudrais qu'on précise un juste petit peu, juste parce quand on gens... a dit Chavez, oui. euh, beaucoup plus démocratique, qu'est-ce qu'il a fait Tu as parlé de démocratie participative, il a fait quoi pour réaliser oui. ces choses-là Alors, je vais insister, parce qu'effectivement, euh, euh, c'est un des thèmes, thèmes centraux, n'est-ce pas euh, je voulais juste dire aussi que on dit tout le temps Oui, mais alors tu viens avec tes trucs d'Amérique latine, nous ça ne nous concerne pas, finalement. Alors, ça, il déjà on va passer outre euh, l'espèce de mentalité coloniale, n'est-ce pas En disant Oh, bon, eux, c'est du genre du Sud, finalement, mmh. c'est des singes, ça ne nous concerne pas. Non, les effets du néolibéralisme qui s'est imposé de la même façon dans tous les pays, peu importe les cultures différentes d'ailleurs, mmh. les causes du néolibéralisme produisent les mêmes effets. Et donc, on peut le voir aujourd'hui, c'est pour ça que je vous ai sorti tous ces exemples. Dans le cas du Venezuela, et ce qui explique aussi pourquoi le Venezuela continue de, de résister, il a résisté tandis qu'en Équateur on a eu une contre-révolution qui pour l'instant l'emporte. Pour l'instant l'emporte, mais Venezuela plus fort parce oui, que voilà. Eh bien parce que c'est alors plus fort, je ne sais pas, mais, mais en tout cas c'est le pays qui a été le plus loin dans le transfert du pouvoir au peuple dans des formes d'auto-organisation populaire, mmh. dans des formes d'auto-gouvernement. Ils ont donc réformé ou, ou même révolutionné. La géométrie du pouvoir mmh. en créant de nouvelles instances comme le conseil communal. Qu'est-ce que le conseil communal C'est une assemblée de voisinage qui regroupe 200 familles dans les centres urbains, 120 dans les milieux ruraux et 70 dans les milieux euh, indigènes. Parce qu'il y en a partout dans le pays, hein. c'est pas un Alors, truc de grande ville ou de capitale. Pas, pas, pas du tout, il y en a 50 000 dans le pays, mmh. c'est énorme et aujourd'hui ça fonctionne même quasiment de manière institutionnalisée. Qu'est-ce que le conseil communal Le conseil communal, c'est donc une assemblée de voisinage où tout euh, ce qui se décide pour l'avenir du quartier se décide en assemblée euh, de tous les voisins. Donc pas un bourgmestre, un maire, des fonctionnaires, non. mais voilà, exactement la base. Et évidemment en lien après avec les services de l'État. Mais euh, ça veut dire que ça se, ça se décompose en plusieurs euh, commissions. Donc vous allez avoir la commission de culture, la commission de santé, la commission d'éducation, la commission des personnes âgées, la commission de sécurité, la, la plusieurs commissions et donc euh, la commission d'alimentation, la commission de protection sociale. Les problèmes, de base de, les la problèmes vie des de base de la vie des gens qui sont dont la manière de, de les résoudre sont décidés par les gens mmh. eux-mêmes. Et les communes, ça va encore plus haut que ça. C'est un regroupement de conseils communaux dans une entité supérieure qui s'articule autour de projets productifs, c'est-à-dire de sortir, de faire des bénéfices, de réaliser certains bénéfices pour que l'argent sorti de ces bénéfices puisse euh, euh, être le, 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 le fer de lance mmh. des changements euh, décidés par les... Euh, est le nerf de, base. de la guerre pour les projets. Exactement. Mmh. Et euh, les communes n'est-ce pas euh, Il y en a 3000 au Venezuela. Donc là, effectivement, on voit tout un peuple euh, euh, en lutte sur des formes d'autogouvernement. Je vais ouvrir, avant de, de faire une petite transition, une petite page de publicité. Mmh. Je vais vous donner un scoop. D'ici quelques temps, avec le concours et l'aide fabuleuse d'une camarade et amie Sylvie, nous sommes en train de transcrire et traduire une interview exclusive que m'a donnée Blanca Eckhout, qui est la ministre des communes. Une interview assez longue. Et je peux vous dire que lorsque Blanca me parlait, alors évidemment, elle ne le savait pas, elle me parlait des formes d'auto-organisation, des formes dauto Elle me disait, on ne peut pas attendre, dans notre modèle de démocratie, on ne peut pas attendre que les personnes votent chaque cinq ans. Elle me dit, au Venezuela, le peuple ne délègue pas sa représentation à euh, une forme de pouvoir. Il exerce le pouvoir de manière permanente. Elle prend un Alors, grand point de frustration en France et ailleurs, où on vote pour des gens et après ils font exactement le contraire. Exactement. De ce ont donc euh, d'ici les prochains jours ou les prochaines semaines, on va publier. C'est très actuel, euh, puisqu'on vote dans deux jours. Exactement. exactement. L'interview de Blanca et Coates, mm -hmm. et je pense que ça va être aussi un, un bon okay. point pour On, on va la relayer. J'en profite pour dire abonnez-vous à notre newsletter parce que je lis vos réactions sur Facebook. Agnès dit "J'ai été surprise que on ait cette émission aujourd'hui. Si vous vous inscrivez avec, à notre newsletter en plus de Facebook, vous serez averti même quand il y a un Michel Midi spécial comme aujourd'hui. Je voudrais qu'on leur retourne quand même, c'est passionnant, mais je voudrais qu'on en vienne à la question pourquoi le Venezuela est donc tellement attaqué C'est un pays lointain, la France a-t-elle besoin de ses richesses A-t-elle besoin pourquoi on attaque le Venezuela, Chavez et Maduro Oui, alors le, la France euh, joue un rôle euh, marginal dans l'affaire, même si effectivement elle est présente. Nous avons vu que euh, M. Euh, euh, Macron avait dans un premier temps euh, reconnu Guaido, et puis ensuite l'État français euh, a reconnu l'envoyé spécial de Guaido, tout en maintenant euh, des liens avec la diplomatie de, de, du seul gouvernement légitime et de l'État vénézuélien. Mais euh, c'est très important. Pourquoi il y a autant d'attaques il y a autant d'attaques pour deux raisons. La première raison, c'est le mauvais exemple. C'est-à-dire mmh. tout ce que je viens de vous dire là, il faut pas que ça réussisse. Parce que si ça réussit, si les Gilets jaunes sur les ronds-points savaient ce qu'il est en train de se, se faire au Venezuela, mmh. si les Gilets jaunes avaient des images du peuple en lutte, du peuple qui construit, du peuple dans les conseils communaux, du peuple dans les communes, ils diraient Mais attendez, c'est très proche de, de ce mmh. que nous, on voudrait implanter. Alors évidemment, on ne fait pas un calque, on n'a pas les mêmes pays, on n'a pas les mêmes cultures on n'a pas les mêmes, les mêmes structures économiques, mais il y a des idées. Donc, mmh. il, y a le, de il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. La réforme des, des, des services publics, le, le fait que le Venezuela ait construit 2,5 millions d'appartements euh, publics qu'ils ont distribués aux gens. Vous voyez, dans, oui, dans... j'ai visité un quartier comme ça, créé à, à l'initiative de, de Chavez, et il faut dire que ce qui n'est jamais dans nos médias, c'est que euh, il, sa politique a sorti des millions de gens de la pauvreté. Le Venezuela était beaucoup, les, les Vénézuéliens pardon, étaient beaucoup plus pauvres quand il était dirigé par des gens que Macron, Sarko, Hollande et compagnie adoraient et soutenaient. Oui, alors évidemment, vous allez me dire, oui, mais en ce moment, il y a la crise, etc. On y reviendra mm -hmm. dans la dernière partie, tranquille. Alors, premier point, le mauvais exemple. Il ne faut mm -hmm. pas que ça marche, parce que ça peut avoir une contagion. Tuer l'espoir. Tuer l'espoir. Et deuxième point, évidemment, euh, les richesses naturelles du Venezuela. Le Venezuela a les premières réserves de pétrole au monde. C'est aussi les deuxièmes réserves d'or. Il a énormément de minerais comme des bauxites, du thorium, du coltan. Il a et, euh, énormément de ressources euh, d'eau potable aussi. Donc c'est un pays. C'est une partie de l'Amazonie, le Venezuela. Oui, est... oh, oui, il y a euh, une partie de, de l'Amazonie. T'en a tous plutôt. besoin. Et, euh, et euh, oui, et biodiversité, etc. Et, et donc, ce qui veut dire aussi pour l'industrie pharmaceutique. Etc. Et donc, effectivement, les richesses impressionnantes du Venezuela attirent tous les prédateurs. Donc ça, c'est la deuxième raison qui mm -hmm. va effectivement demain avec la première. Il y a du son, ne vous inquiétez pas, Michel. Juste lis la, la suite. Alors, euh, après avoir vu pourquoi on s'en prend, j'aimerais que on creuse. Euh, les fake news à propos du Venezuela, parce qu'on reçoit assez bien d'infos sur le Venezuela, mais euh, qu'est-ce que ça vaut Comment fonctionne notre info ici en France, en Belgique, sur le Venezuela Alors c'est très simple, on est arrivé à un point où tout ce que vous pouvez lire, écouter, euh, ou ce qu'on vous expose dans les euh, médias mainstream, dans les médias dominants, c'est absolument faux ou biaisé. Et donc, euh, de, si on cherche à, à systématiser, on peut voir qu'il y a trois types euh, de fake news. Il y a la fake news, euh, je dirais, de préparation de l'opinion publique. Alors, par exemple, si on veut le c'était le cas lorsque euh, euh, Hugo Chavez avait décidé de ne pas rénover une concession Hertzienne publique. Mmh. À une chaîne de télé qui était une chaîne de télé putschiste, vulgaire, qui dispensait des valeurs terribles en plus d'être politiquement. Euh, donc participer directement au coup d'État militaire, militaire violent. Ils ont dit bon ben voilà, vous aviez une, une, une concession pour 20 ans, la concession n'est pas renouvelable automatiquement et l'État a décidé de ne pas vous la rénover et nous allons la, euh, la donner à une autre chaîne. Voilà. Et donc, il y a eu toute un, 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 une campagne médiatique qui s'est orchestrée, reporter sans frontières, dirigée à l'époque par M. Ménard, donc euh, maire et reine de, de Béziers, euh, euh, pour dire que le Venezuela euh, attentait à la liberté d'expression, etc., etc. Mais RCTV n'avait pas disparu. RCTV était encore sur les chaînes du câble, euh, qui est très très répandu au Venezuela. On pouvait aussi le suivre sur Internet. RCTV n'avait absolument, absolument pas disparu. Mais cette fake news a servi à préparer l'opinion publique au fait que le Venezuela est une dictature qui euh, ne respecte pas la liberté d'expression, blablabla. Bla. Ensuite, il mmh. y a les fake news de discrédit. Oui. C'est-à-dire, lorsque euh, une mesure du gouvernement bolivarien euh, n'est pas contestable, parce qu'on la voit, mmh. comme par exemple la construction de 2,5 millions de logements, alors, on va dire, oui, mais, enfin, on va dire, les médias disent... Pour avoir ces logements, il faut faire partie euh, du parti politique euh, euh, de, 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 des chavistes ou euh, inventer toute mm -hmm. une série de, de fake news qui vont jeter le discrédit sur une mesure. Euh, phare Alors que c'est faux, même... les logements sont pour tout le monde. Alors que les logements sont évidemment pour même tout le monde. Les gens d'opposition. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, il y a des moyens de le, de le vérifier, ça. C'est-à-dire mm -hmm. il y a des, même des moyens techniques de le vérifier. Pourquoi Parce que dans des grands ensembles euh, urbains, euh, du coup. Euh, lors d'élections, étant donné que ça touche euh, 1000, 1500 personnes, des grands ensembles, eh il y a un bureau de vote dans le centre urbain directement, puisque les gens, pour, étant donné que ça surgit, les gens pouvaient plus aller voter là où ils votaient avant. Donc, il y a des centres. Et les, les centres, ce n'est pas évidemment 100% de, pour Chavez ou Maduro. On voit d'ailleurs que euh, ça reproduit euh, généralement ce qu'il peut y avoir. On est dans hmm. du 60-40. Pas euh, de etc. discrimination. Exactement. exactement. Que... Donc, ça, c'est prouvable. Bien. Donc les nouvelles, les fake news pour discréditer. Euh, on a préparé deux trois images pour visualiser un peu de quoi il s'agit. Et euh, je vais par exemple montrer cette image qui a circulé. C'est une rivière, euh, enfin une rivière, un peu un égout central à Caracas. J'ai vu ça quand j'y suis allé. Et donc là, on nous dit dans les médias français, regardez, euh, c'est tellement catastrophique au Venezuela qu'ils sont obligés d'aller euh, prendre avec leur bidon de l'eau complètement boueuse et polluée. Oui, il y, y a eu des titres, par exemple, dans les médias, on aurait pu le mettre, on l'a oublié, mais euh, qui était La ruée vers l'eau sale, oui. où euh, les gens boivent euh, euh, l'eau des égouts. Alors, évidemment, ce qu'il faut expliquer, Caracas, est une vallée, n'est-ce pas, entourée de montagnes. Dans la montagne, il y a des sources d'eau potable. Les sources d'eau potable euh, coulent vers la vallée. Et donc se dirige dans cette rivière qui est vraiment un tout à l'égout. Hein, voilà, donc pas je le... place une deuxième photo voilà. qui voit ce que les gens qui sont là font. En fait, ils ne vont pas prendre l'eau des égouts, ils vont prendre l'eau des, des sources. sources qui se jettent aussi dans cette rivière, mais Exactement. ils prennent de l'eau pure. Exactement, ils prennent de l'eau pure. Donc, et euh, voilà. donc euh, effectivement, là, on a une, une énorme fake news visant à. À, 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 à préparer l'opinion publique au fait que euh, les gens... Que nous allons euh, faire une guerre humanitaire une pour guerre le Venezuela parce exactement. que les gens doivent boire de l'eau pourrie. Bon, tu as vécu au Venezuela, tu viens d'y retourner encore il n'y a pas longtemps pour un reportage. Oui. Donc, euh, on est dans, dans la désinformation, là, on est dans, dans le conditionnement de l'opinion. Oui. Et... Il, y a eu, il y a eu un... un je peux peut-être enlever ça, mais il y a eu... On va revenir sur deux, deux autres fake news. Euh, le, donc, le 23 février si vous vous rappelez bien, il y a eu tout ce qui était le, ce qu'on a appelé le show de l'aide humanitaire. Mmh. ce qu'il faut savoir, c'est que les états-unis et leurs alliés ont volé 30 milliards de dollars au venezuela. et euh, euh, en plus d'un blocus économique infâme, on, dont, on reparle, dont on reparlera, mmh. et donc ils avaient dit, ben, on va euh, euh, donner 20 millions d'aide humanitaires. si vous voulez vraiment aider le venezuela, vous rendez les 30 milliards, vous laissez le venezuela euh, euh, importer ce dont il a besoin, et vous venez pas avec une aumône. Non, et donc en fait évidemment il ne s'agissait pas d'acheminer de, 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 de l'aide humanitaire un, 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 une aumônerie finalement une aumône une aumônerie. Le, 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 le but était de rompre l'unité des militaires et du commandement militaire vénézuélien et de faire une provoque pour avoir et de faire une raison provoque pour, justifier, pour justifier une guerre alors il y a eu euh, deux foyers de tension il y en a eu un à la frontière euh, colombienne on y reviendra parce que je vois l'ordre de tes photos et il y en a eu euh, à la frontière brésilienne alors, il se trouve que euh, cette zone donc, qui est la, de la frontière brésilienne est la zone euh, des industries sidérurgiques, des barrages hydrauliques qui, qui, qui approvisionnent 70% de l'électricité du Venezuela et aussi de toutes les richesses en minerais. Euh, c'est euh, l'arc minier, donc avec les euh, l'or, les, euh, euh, bauxite, coltan, euh, etc. Mmh. etc. Non et puis, c'est aussi la frange pétrolifère de l'orénoque, C'est une région excessivement stratégique et riche. Dans cette région... Il y avait un groupe, il y a un groupe d'ailleurs toujours, qui s'appelle la Garde Territoriale paymon, mmh. qui est un groupe euh, criminel, qui se livre aux raquettes euh, de commerçants, aux raquettes d'entreprises sur place, qui se livre à des enlèvements, qui se livre au trafic d'or ou au trafic de minerais, etc. Ce n'est pas des petits militants pour attends. la démocratie. Voilà. Non mais, je ne sais pas, attends, re, re, ouais, on va laisser le remet sur la caméra, on reviendra un peu sur la... Mmh. Parce que, ce qu'il faut bien voir, c'est que, euh, euh, deux ans avant la, la, le 23 février 2019, des sites d'opposition se plaignaient de l'inactivité de l'État par rapport à ce groupe-là. Donc les mmh. infos, la photo que vous allez voir par la suite vient de sites d'opposition. Le jour où Juan Guaido s'est autoproclamé, le maire de la zone a dit Je reconnais Juan Guaido, c'est un maire d'opposition, je reconnais Juan Guaido et je mets à sa disposition ma garde territoriale Paymon. Mmh. Ça, c'est une fake news destinée. Aux, aux, aux Européens et aux Occidentaux. Parce qu'il y a eu des affrontements. Oui, il y a eu des affrontements avec les forces de l'ordre euh, 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 vénézuéliennes et ces gens. Et il y a eu effectivement des morts. Mais les morts, ce pas des, euh, des pauvres Indiens euh, euh, avec des flèches, un carquois, etc. Ça, ça fait partie de l'imaginaire occidental sur euh, les Indiens en Amérique latine ou ailleurs. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est dans Yakari ou dans euh, Tintin le temple du soleil c'est voilà c'est pas c'est pas des pagnes c'est pas des carquois c'est pas des flèches oui. euh, voilà c'est Donc ça peux la photo voilà, de la milice en question voilà ah, c'est voilà. ça la milice euh, indigène <coughs> péon vous voyez mm -hmm. là effectivement et c'est ces gens-là qui euh, se sont affrontés ce jour-là euh, aux, euh, aux forces de l'ordre euh, du Venezuela Donc c'est ce genre de gens-là qui dans nos médias sont présentés comme euh, de jeunes militants pour la démocratie qui sont victimes de la répression de Maduro. Oui, alors, dans ce cas-là, c'était vraiment euh, le, les, les, les pauvres Indiens. Et d'ailleurs, on a parlé dans les médias de massacres d'Indiens, de génocide mmh. euh, quasiment, etc. Non et puis, la deuxième, on peut passer sur la caméra, la deuxième fake news de, ce, de, ce, de cette journée-là, c'est la fameuse fake news de, euh, euh, de l'incendie des camions humanitaires. Oui, ça, tout le monde a vu, tout le monde en a parlé ici. Ça a été. Le grand show, moi qui ai un peu l'habitude de, de comment les guerres se préparent, je me disais, ça y est, là, ils sont en train d'essayer de justifier une invasion. Exactement. Et, et qu'est-ce qui s'est passé Donc, on nous a dit, euh, l'armée de Maduro a incendié les camions d'aide humanitaire. Voilà. c'est la version euh, officielle. Ça, c'est la version qu'on dans trouve. Libération. Ouais. Voilà. Après un week-end lors duquel les autorités vénézuéliennes ont brûlé ou repoussé des camions. Donc, Libération, alors, il n'y a pas que, hein, euh, allez pas vous exciter euh, si vous aimez Libération. Tous les médias ont dit ça. Je voudrais attirer un instant, euh, parce qu'on est quand même dans un travail d'éducation média, je voudrais attirer attention sur la manipulation très malhonnête du vocabulaire. Les autorités vénézuéliennes ont brûlé ou repoussé 10 camions d'aide humanitaire. Donc, on reste volontairement dans le vague, on fait comme s'ils en avaient brûlé beaucoup, il y en a juste eu un. Et la question de repousser 10 camions, on ne permet quand même pas aux États-Unis de venir avec beaucoup de militaires et de gens de la CIA dans le territoire d'un pays souverain pour commencer à remplacer l'État. Euh, donc libération, là, extrêmement malhonnête par rapport à ça. Alors, mais il y a plus fort encore. Oui, alors ça. pas libération. Alors il y a plus fort, on peut remettre la caméra d'abord, c'est que euh, les médias euh, dominants ne pensaient certainement pas aux guerres internes qu'il y a aux États-Unis. Mm -hmm. Dans la guerre interne pour la réélection de Donald Trump contre un candidat démocrate, n'importe qui, la Floride va jouer un rôle euh, clé, comme à chaque fois. C'est un, mmh. un État, on se rappelle de l'élection de George Bush avec le recontage des voix, etc. Et les médias, on va dire, d'inclination démocrate, comme CNN ou euh, 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 the, le New York Times, mmh. ont commencé à à attaquer les porte-parole de l'administration Trump qui, sont, qui viennent tous de Floride, comme Marco Rubio, par exemple, qui est sénateur des États-Unis pour la Floride. Et donc, le New York Times, qui était de l'autre côté, qui était du côté colombien, a diffusé une vidéo dans laquelle, là, il n'y a pas de doute possible, où on voit des manifestants de l'opposition. Alors là, d'ailleurs, manifestants, je me suis trompé, parce que c'est des, des bandes de délinquants, notamment un groupe criminel qui s'appelle El Tren de Aragua, mmh. qui avait été déplacé sur place et qu'on payait 40 dollars par jour pour venir euh, s'affronter aux forces de l'ordre vénézuéliennes. Et on voit donc un de ces euh, types jeter un cocktail Molotov sur le camion. Là, mmh. c'est irréfutable. C'est irréfutable. On le voit, le mec est derrière, il est en train de filmer et on voit le type en train de cramer le camion. Mais et donc, euh, là, c'est intéressant parce que. Euh, le, on la... va montrer Pompeo. Voilà. Qui a Bolton. Fait... Bolton, pardon, on a eu Pompeo aussi, mais dans ce cas-ci, c'est John Bolton qui, effectivement, je traduis euh, sur son tweet là, euh, des euh, civils tués en direct et l'incendie des camions. Qui euh, transportait de la nourriture et des médicaments. Voilà quelle a été la réponse de Maduro aux efforts pacifiques pour aider les Vénézuéliens et donc justification pour la guerre. Donc Bolton, Pompeo, Rubio aussi, euh, et malheureusement nos médias répandent cette idée c'est Maduro qui a incendié le camion. Exactement, parce que ça faisait partie d'une stratégie finalement. Mm -hmm. L'incendie du camion et les affrontements qui étaient planifiés pour cette journée-là devaient servir de détonateur de fake news majeures comme le massacre de Rachak en, voilà. en Yougoslavie, mmh. comme les couveuses euh, du Koweït, comme euh, 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 les, les tortures d'étudiants à, à Raqqa, il me semble, en Syrie, etc. Donc c'est la, la fake news qui va déclencher euh, des, euh, une, une, une augmentation des tensions. Voilà. Okay. Donc là, évidemment, ça tombe, ça tombe à l'eau, oui. mais nos médias ont participé et nous ont absolument intoxiqués sur le Venezuela. C'est pour ça que je vous ai dit ne croyez absolument oui. plus rien. Alors comme le temps passe, je vais montrer aussi une image qu'on a préparée. C'est qu'en fait, si nos médias avaient voulu faire leur travail, il y a eu à New York même la réfutation du média mensonge. Oui, parce que là, c'est un article du New York. Donc le fameux article du New York Times. Donc la vidéo est juste en dessous. Et donc en jaune, vous pouvez voir, euh, ils disent c'est un cocktail Molotov lancé par un manifestant. Euh, donc, contre le gouvernement, qui est la cause de l'incendie. Qui bon, voilà. est okay, la cause la plus probable bon, de l'incendie. Donc, le New York Times lui-même réfute le mensonge qui a circulé partout. Le problème qui vient, c'est que on, quand il y a un démenti d'un du, média mensonge, c'est totalement zappé dans nos médias, ça ne vient pas. Donc, ça pose le problème de cette information. Euh, oui, ça, c'est une bonne citation que tu peux lire quand on l'a préparé parce qu'elle explique un peu le, la méthode. Ça ne tombe pas par hasard qu'il n'y a pas de rectification. Voilà, c'est une citation tirée d'un ouvrage de Nancy Snow, Information War, American Propaganda, Free Speech and Opinion Control since 9-11. Je vous prie de ne pas vous foutre de mon accent. Accent directement, directement de directement Marseille. De Marseille, pour le monde. Euh, et donc, la, la, la journaliste nous dit que ce. Ce modèle, en fait, a été créé au début du gouvernement de Ronald Reagan, dans les années 80. Donc euh, filtrer une histoire euh, euh, pas ténébreuse, une histoire mm -hmm. euh, morbide mm -hmm. sur les ennemis étrangers, la faire passer dans les journaux, et si ensuite les journalistes euh, révèlent la vérité, peu importe, car celle-ci recevra beaucoup moins d'attention que le mensonge originel. Et en plus, elle rajoute, et en plus, un autre mensonge aura déjà surgi à ce moment-là. C'est exactement ce qui Un est avertissement passé. par rapport à tout ce qui va venir. On va venir sur un thème très important. Euh, je tiens absolument, on va accélérer, parce que je tiens absolument Accélérant. à ce que Romain puisse développer cette chose-là. Je signale qu'on a reçu des questions, <coughs> pardon, et des commentaires très intéressants. Euh, Amanda demande pourquoi Amnesty ne parle pas de cette guerre économique. On va en parler bientôt. Euh, un ami algérien dit que le peuple algérien présente les mêmes revendications qu'au Venezuela et les gilets jaunes. On a fait une bonne émission avec Saïd Bouamama dans Michel MIDI là-dessus et on va certainement y revenir. On a un ami Moget qui dit mais euh, le problème c'est que Maduro n'a pas diversifié son économie et dépendant de la pour vendre du pétrole, sinon le Venezuela aurait pas le problème actuel. On va pas développer là aussi aujourd'hui, mais on va Je... dire que attention, n'est oui. pas Maduro qui gère, qui dirige l'économie vénézuélienne, qui, à part le pétrole, reste une économie aux mains des grands capitalistes du Venezuela et qui sabote. Et... Donc ce n'est pas un problème. On va pas dire que c'est faux. Mais ce n'est pas un problème facile à régler dans un pays qui vit. Non, mais longtemps en plus, en plus de ça, pas que du pétrole. C'est un pays qui a toujours été monoproducteur depuis 500 ans, c'est-à-dire oui. du cacao et ensuite du café et, et, et du pétrole. Changer une matrice productive, ça ne se fait pas en 5 mois, en 1 an, en 10 ans, en 20 ans. Mm -hmm. Si vous voulez un exemple, regardez juste euh, la révolution industrielle en Europe. On est passé d'États, euh, enfin de, de nations paysannes à hein, des nations industrielles. Ça a duré 100 ans et ça ne s'est pas fait en démocratie. Donc. Sur euh, euh, ce, ce truc-là, évidemment, il y, a des, il y a des tentatives. La tentative du Venezuela, c'est de développer son modèle agricole. Euh, la tentative de l'Équateur, par exemple, pour diversifier son économie, c'était de baser sur l'économie de la connaissance et euh, euh, tout ce qui est lié au marché high-tech euh, qui, et, qui, euh, 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 et dont l'Équateur avait besoin de former d'abord des, euh, des scientifiques. Des universitaires. Ils ont commencé à faire des, des programmes très ambitieux d'échanges avec les meilleures universités européennes euh, euh, ou même mmh. des États-Unis pour aller se former. Ça ne se fait pas en une génération. C'est excessivement long. Et je pense que c'est une critique qui n'a euh, euh, pas forcément lieu d'être. Ou alors peut-être dans un siècle, nous en reparlerons dans un siècle, si tu me réinvites à Michel Midi. Ça, le rendez-vous est pris. Alors, avant de passer à, au dernier thème d'aujourd'hui, une question intéressante de Dem qui dit. J'aurais juste une question. Les ressources mondiales ne suffisent-elles pas pour l'humanité Si oui, pourquoi tous ces malheurs Effectivement, les ressources mondiales suffisent pour nourrir l'humanité, à condition de les gérer sans le gaspillage actuel, évidemment, sans le pillage. Le problème, on l'a déjà expliqué ailleurs, on l'a expliqué dans le bouquin Les Sept Péchés d'Hugo Chavez, par exemple, sur le pillage des ressources naturelles, pétrole, gaz, biodiversité, agriculture au Venezuela et ailleurs. Le problème, c'est que les multinationales ont besoin dans leur système d'avoir toujours plus de profits, donc on vole au peuple leurs ressources. Mais on va pas développer sur ce thème-là aujourd'hui, ça nous mènerait trop loin. Mais je voudrais qu'on en vienne à ce qu'on a annoncé là dans l'intro, la guerre de quatrième génération. Ça, ça fait un peu science-fiction. Ça veut dire quoi ce terme Alors, on m'a, souvent dit, je, je, je vais dans les, pareil, dans les, dans les semaines qui viennent. Euh, allez hop, on en profite, on s'inscrit sur ma page Facebook. Euh, euh, publier un article qui s'appelle Venezuela, la guerre qui vient. Et euh, beaucoup de personnes euh, m'ont dit Mais il euh, n'y aura pas la guerre, euh, euh, on va l'éviter, etc., etc. Alors, d'une part, ce n'est pas le Venezuela qui décide, mais surtout, c'est très révélateur, non Parce que la guerre, elle a déjà commencé. Mmh. Les amis qui m'ont euh, fait cette réflexion réagissent encore avec l'image de la guerre traditionnelle, on dirait de la guerre de troisième génération, c'est-à-dire quand on ferme les yeux, on voit, vous savez, l'écran vert avec les, les petits éclairs qui sont des bombes, euh, la, une armée euh, des, des États-Unis ou une coalition qui intervient au sol et qui va tuer le méchant ou le, ou le, ou le foutre mmh. en tôle. C'est le modèle de la guerre euh, du Golfe en 1991, c'est le modèle de la guerre en Yougoslavie, c'est le modèle de la guerre en Afghanistan, c'est le modèle de la guerre. En, en Irak là, là, en 2003. Et en Libye Alors en Libye, ça, ça commence déjà à, ça commence déjà mmh. à, à bouger, justement. Et, et la guerre de quatrième génération est une autre forme de guerre. Elle a été pensée pour la première fois en 1989 par des stratèges militaires américains dans un article qui a été publié dans le, la gazette des Marines. Ces euh, stratèges, donc, Là, c'est très important parce que, regardez, c'est en 89 qu'ils pensent déjà les formes futures de la guerre, alors que deux ans après, en 91, ils vont lancer une guerre euh, traditionnelle, on va dire, contre l'Irak. Et ils sont déjà en train de penser quelles vont être les guerres du futur. Qu'est-ce que la guerre de quatrième génération C'est une guerre, un, qui n'est pas seulement militaire. C'est une guerre sans commandement unifié et sans euh, étapes ou euh, hiérarchie entre les diverses formes que va prendre euh, la guerre. C'est une guerre où il n'y a plus de distinction entre civil et militaire. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'affronter à l'armée d'en face, mmh. n'est-ce pas Lorsque euh, il y a des emplois de techniques militaires, ce sont sur le modèle de la guerre asymétrique, c'est-à-dire de groupes irréguliers qui s'affrontent à une armée régulière, qui est l'armée donc de, de résistance de l'État. Et puis surtout, et ça c'est très important, c'est une guerre où l'opinion va être une des lignes directrices de, euh, du conflit et de l'affrontement. Et mmh. pas seulement l'opinion du pays, de l'opinion publique mondiale. Je crois mmh. qu'on a un petit. Euh... Oui, on a préparé euh, une citation intéressante ouais. ici. Donc, ça, c'est On va le... traduire puisqu'elle est en anglais. Je lis la traduction et puis tu commentes. Les opérations psychologiques, euh, bon, c'est tiré ouais. en fait euh, du livre dont Romain a parlé. De euh, les opérations psychologiques peuvent devenir l'arme opérationnelle et stratégique la plus euh, la dominante, la plus importante, sous la forme d'une intervention dans les médias et dans l'information. Et en conclusion, les infos télévisées peuvent devenir une arme opérationnelle plus puissante que des divisions armées. Voilà. Commentaire Alors, commentaire c'est très important pour ceux qui nous écoutent, c'est-à-dire que selon la guerre de quatrième euh, de génération, vous, toi là, qui mmh. nous regardes, tu es une cible militaire. C'est-à-dire que ton cerveau est une cible militaire des stratèges, de, euh, la, de, la, la, des forces qui s'opposent à un gouvernement, même si ce gouvernement euh, est à euh, 5000 kilomètres même si ce peuple vit à 5000 km ou plus. C'est la guerre contre l'opinion. Exactement. Et ça, c'est extrêmement important, <coughs> parce que, que des journaux euh, nationaux euh, euh, parlent de manière euh, plus intense pour essayer de, de, de conquérir votre cerveau et font passer... Euh, ou, ou, dans un système hiérarchique, font passer avant les problèmes qui, euh, qui, qui préoccupent le, 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 les, les peuples européens, font passer les problèmes du Venezuela en premier, évidemment. Là, ce n'est pas normal, vous voyez. Et euh, cette guerre de quatrième génération, comment elle, euh, elle s'exprime au Venezuela Elle s'exprime sur plusieurs fronts. s'exprime sur le front euh, diplomatique, qui est la volonté d'isoler le Venezuela sur la scène euh, diplomatique, de rompre mmh. toutes les formes d'alliances. Elle s'exprime aussi sur la, euh, le front institutionnel, c'est-à-dire de créer des institutions fantoches qui vont se battre pour, euh, pour la légitimité face aux un institutions du pouvoir, voilà, du, du, pouvoir le, du gouvernement légitime. Vénézuélienne, ça se passe dans beaucoup de pays africains, ça. C'est vraiment le modèle de base. L'opposition euh, vénézuélienne a créé un tribunal suprême. Euh, parallèle en exil au Panama, il a créé un poste de procureur général de la République en exil en Colombie. Il a créé euh, une, une, une présidence parallèle avec euh, Juan Guaido. Et en ce moment, il est en train d'essayer de créer une, une, une armée parallèle. Voilà. Et euh, des ambassades aussi. Et, et donc, les États-Unis des... ont essayé voilà, d'expulser, le... de rendre la vie impossible à des diplomates reconnus. Donc, ils, ils violent toutes les règles internationales sur les ambassades. Exactement sur le, le, mmh. la Convention de Vienne, le droit international, etc. Et euh, donc nous avons le front euh, euh, diplomatique, le front institutionnel, nous avons aussi le front euh, médiatico-psychologique, donc ça on vient d'en parler, c'est euh, essayer de conquérir l'opinion publique pour que finalement, au moment où il y a une, une guerre, où il y a l'aspect militaire qui rentre en compte, bien, finalement les gens restent chez soi et disent ⁇ oh oui, mon enfin bon, c'est des gens, dictature, la la là, là, etc. ⁇ C'est à ça que servent les fake news. En aussi en partie. Mmh. Et c'est ce qui explique aussi qu'en Libye ou en Syrie, il n'y a eu absolument aucun mouvement anti-guerre de la taille des mouvements anti-guerre qu'il y avait eu en Irak euh, euh, quelques années auparavant. Mmh. Donc le front médico-psychologique, je ne m'étends pas là-dessus, on en a parlé, le front économique. Le Venezuela est aujourd'hui, il s'affronte à un blocus criminel. On est en train d'empêcher le Venezuela de pouvoir importer des produits, d'avoir accès au système financier international, d'avoir accès au dollar. Et ça, depuis de nombreuses années, le but est d'affamer le peuple. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est John Bolton. John Bolton, sur mmh. Univision, qui est une chaîne euh, des États-Unis, on lui a demandé euh, sur le, 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 les sanctions économiques. John Bolton a répondu, ce que nous sommes en train de faire, donc ce que les États-Unis sont en train de faire au Venezuela. C'est comme dans la Guerre des Étoiles, lorsque Darks Vador étrangle lentement quelqu'un. Voilà, ça c'est dans le tome 2 des 100 des pires citations de, 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 de l'Empire américain mm -hmm. euh, de d'investigation. Donc voilà, le, le, alors, à ceux qui découvrent ça, ou à ceux qui euh, le nient encore, n'est-ce pas Je les renvoie encore, on ouvre, la page, on ouvre la page de publicité. Sur mon blog, donc sur la première page, j'ai fait une chronologie, des, euh, des sanctions et des rétorsions à l'économie vénézuélienne. Il y en a 15 pages. 15 pages. Mmh. Et là, là, on voit bien que tout est ordonné, planifié, etc., pour dévaster l'économie euh, du Venezuela. Donc, ça, c'est aussi un des fronts de la guerre de quatrième génération. Et le dernier front, c'est effectivement le front militaire. Mmh. Donc, on n'est plus du tout dans le schéma de la guerre classique. On est dans une sale guerre qui ne respecte absolument pas les conventions, qui essaie de foutre le bordel, de semer le chaos, de désorganiser la vie des civils, donc ça c'est déjà un crime de guerre de prendre les civils en otage et d'aggraver leur vie, c'est ce que les États-Unis font absolument partout, et une guerre dans laquelle la clé est eh bien l'opinion, manipuler l'opinion, manipuler les individus et leurs choix, et euh, je vois qu'il y a toute une série de questions, je les ai pas oubliées, mais euh, réponds d'abord à la mienne. Donc la clé de la quatrième génération, c'est de cette, de cette guerre-là, c'est euh, l'opinion, c'est donc les gens qui nous regardent. Alors c'est un des fronts. Mmh. Évidemment, le, 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 le but, je crois, euh, de cette guerre déployée contre le Venezuela, c'est de faire exploser le pays, de le morceler et de rendre impossible sa gestion par l'État central. Évidemment, ça a un impact sur les ressources euh, énergétiques, mais de l'impacter durablement. C'est-à-dire mmh. que on, on est même, je crois qu'on est même plus dans euh, le remplacer finalement euh, euh, un président par un autre. Je crois qu'on est au-delà de ça, dans le fait de détruire et de dévaster complètement les institutions étatiques, de morceler le pays pour que justement l'administration des ressources... Euh, euh, naturel ne soit plus possible par un mmh. gouvernement ou par un autre. Mmh. Je rajouterai juste peut-être un petit <coughs> truc, vu qu'on a dépassé... Il est comme bientôt ce... temps de conclure, il y en a encore un petit thème qu'on va traiter. Oui, c'est oui. un Michel Midi spécial, donc je... Puis on ne se voit pas souvent. C'est vrai. Voilà. Sinon, vous pouvez envoyer euh, sur Facebook, vous pouvez dire allez, encore 10 minutes et tout ça, on va essayer d'influencer Michel. Non, donc... mais j'ai déjà toute une série de questions <laughs> auxquelles on va répondre en style télégramme. Oui. Non, je disais que sur l'aspect militaire, euh, la guerre a déjà commencé et les acteurs sont déjà là. Mmh. Quels vont être les acteurs de cette guerre Évidemment, il va falloir. Étant donné que, il, faut, il faut oublier, les États-Unis n'interviendront pas, il n'y aura pas de troupes au sol des États-Unis, on n'est plus dans le système euh, qu'on a connu en Irak. Il euh, ne faut pas rester où, euh... sur le modèle du passé. Exactement. Prêt à ce qui va venir. Par contre, les acteurs sont déjà là. Il y a très peu de déserteurs. Et en réalité, selon les chiffres les plus optimistes de l'opposition, il y en a 0,2%. Donc absolument personne, n'est-ce pas Pourtant, ils mettent du fric. Pourtant, ils mettent du fric. C'est 20 000 dollars pour un soldat qui déserte. Mais ce qui est rigolo, parce qu'ils ne le payent pas une fois que le, mec, le, le type a déserté. Mais ça non plus, ce pas anodin. C'est pour que le type se réengage et loue ses services à des bandes criminelles. Mais ce, ce nombre de déserteurs va certainement être gonflé mmh. au fil des semaines pour faire croire à une armée parallèle au service de Guaido. Oui, on a pour, libérer, ça sur pays, hein. pour libérer le pays, etc. Oui. Et en fait, les acteurs, donc il y aura des Vénézuéliens, effectivement, donc des euh, déserteurs, des civils, la pègre locale. Qui est déjà en lutte avec l'État pour contrôler des territoires, des grandes mmh. portions de territoires stratégiques, c'est très important, ou dans les grandes villes pour contrôler les accès d'entrée et de sortie des grandes villes. Il y aura aussi des acteurs étrangers, des acteurs étrangers qui sont, euh, je rappelle, déjà là, c'est-à-dire euh, euh, des paramilitaires, alors les paramilitaires colombiens qui sont une excroissance ultra-violente du conflit colombien, des paramilitaires d'extrême droite euh, 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 terribles, pour ceux qui. Qui aiment les séries télévisées dans Narco, par exemple, on les voit décapiter des gens, c'est des gens qui jouent au, au foot avec les têtes des gens qu'ils ont décapité, c'est l'infamie totale, n'est-ce pas oui. Mais comme ça sera dit... rebaptisé opposant voilà. comme... démocrate. Exactement, sont comme l'a dit, dit Freddy Bernal, qui est le, un, un acteur politique de premier plan euh, dans, au Venezuela, les paramilitaires sont le Daesh de l'Amérique latine, ils jouent le rôle qu'a joué Daesh au Proche-Orient. Donc voilà, des mercenaires. Le gouvernement vénézuélien a déjà dénoncé qu'il y a des mercenaires qui ont été euh, contractés. Euh, Eric Prince, le, le fondateur de Blackwater, a voulu mettre 5000 mercenaires au service de Juan Guaido. Donc la milice qui était active en Irak et qui a foutu le bordel. Exactement. Mm -hmm. Et puis il y aurait évidemment forces spéciales, etc., etc. Et cette guerre, elle a déjà commencé. Elle a déjà commencé. Lorsque l'on voit, par exemple, que euh, deux jours ou trois jours avant le, 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 le show de Guaido en janvier, il y a eu. Alors qu'on sait que le Venezuela a des difficultés d'importer des médicaments et du matériel médical, il y a eu le plus grand hangar du ministère de la Santé qui a brûlé, qui a été dévasté par les flammes. C'est des milliers de tonnes de matériel médical qui est parti en fumée. On a aussi eu un acte de sabotage. Quelques non jours après, comme vous pouvez le voir sur la photo, alors là il y a deux cuves qui brûlent, en fait il y en a eu trois. C'est des cuves de... C'est des cuves de diluant nafta, qui est indispensable pour le Venezuela pour diluer son pétrole extra lourd. Et déjà le, le nafta... Et sous embargo pour le Venezuela. C'est très très dur pour le Venezuela d'en acheter. Donc ils sont obligés en conséquence d'utiliser leur pétrole léger pour couper leur pétrole extra lourd, ce qui euh, induit des pénuries sur le marché euh, local. Donc tout, absolument tout est lié, à la fois les sanctions économiques, le blocus sur le NAFTA et les actes de sabotage. Il y a eu, par les membres de la Pègre notamment du Trend de Aragua, cette banque criminelle que je vous citais, il y a eu il y a deux semaines l'assassinat d'un général et en plus pas n'importe quel général c'était le génie. Il était donc général d'aviation, mais aussi il était directeur de l'école de formation de troupes professionnelles mmh. il a été assassiné dans une embuscade avec quatre autres officiers et euh, cinq soldats blessés donc déjà euh, cette guerre ensuite mmh. euh, on a pu voir là <coughs> on a pu voir le, 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 le les cuves de diluant qui ont brûlé mmh. mais il y a eu aussi un oléoduc qui a explosé et puis vous n'êtes pas sans vous rappeler que euh, le, le système électrique du Venezuela a été hacké. Là, c'est aussi des spécialistes russes qui ont qui ont qui sont venus. Donc, euh, il y a quelques euh, il y a quelques semaines et qui donc ont on, on, on contrôlé ça et ont dit effectivement il y a eu un king euh, extérieur. Mmh. Ce qui est très important, c'est qu'il y a eu aussi une, le, le ministère des affaires étrangères euh, russe, euh, par sa porte-parole euh, Maria Sakharova a démontré que selon les, les services de renseignement de ce pays. Des armes avaient été déjà achetées dans des pays de l'Est et acheminées au Venezuela, pardon, pas au Venezuela, dans un pays voisin du Venezuela, par la compagnie euh, nationale ukrainienne Antonov. Et dans les armes qui ont été acheminées, c'est des mitrailleuses lourdes, des, enfin, des, euh, des fusils mitrailleurs, des armes de poing et des mortiers et des obus. C'est-à-dire. On n'a pas besoin d'être un expert militaire, c'est l'armement que vous voyez de Daesh. OK. Pas voilà. Bon, vous voyez que Romain a un trésor d'informations et on pourrait parler encore une heure ou deux, mais Michel, midi, c'est à midi, justement, en principe, pour la pause déjeuner. Donc, il faut que les gens puissent retourner au travail et ne pas avoir de problème avec leur patron à cause de Romain. J'espère que vous avez pu manger, on, en regarde on non. Va rester ça, On va en rester là. Il y a encore un thème qu'on veut traiter. Je signale que vous avez beaucoup d'interventions extrêmement intéressantes. Euh, Karim qui demande les militaires au Venezuela, ben la question des militaires en Algérie, c'est un parallèle intéressant. On a, euh, j'ai compris comment les grandes puissances euh, euh, détruisent le monde. On a, oui Il faudra faire la, montrer les réseaux. On dit quel est votre blog Oui, mais ça c'est prévu dans la promotion finale. On a beaucoup de remarques très intéressantes auxquelles on va encore essayer de réagir avec vous. Mais on a eu au début une question qui a été bien notée, et sur laquelle on a des choses à dire c'est Amnesty International. Amnesty International a publié une information sur le Venezuela qui ressemble très très fort à ce qu'on dit aux États-Unis Bolton, Trump et compagnie. Tout à fait. Ah là, le problème, c'est qu'on va repartir pour une heure. Là. Je vais non, essayer de faire trois minutes. 30, 30 minutes. Euh, je crois qu'au-delà d'Amnesty de internationale, c'est le système des ONG. Qu'est-ce qui se passe Au Venezuela, il y a deux ONG qui relaient. Enfin, il y en a plusieurs. Chacune a son rôle, chacune est liée au parti d'opposition et chacune est liée à des ressources étrangères. Mais là, dans, le cas, dans ce cas-là, il y a deux euh, euh, ONG locales, Foro Penal et Provea. Euh, donc, uh, Foro Penal, c'est plus une, une organisation liée à la droite vénézuélienne. Provea, c'est des anarchistes, mmh. euh, donc euh, contre les gouvernements populaires, donc, puisque anarchistes. Et euh, euh, ces organisations sont financées par des organismes liés au services de renseignement des États-Unis. L'un, Freedom House, pour Foro Penal. L'autre, la Fondation Ford, pour Provea. En plus, Provea est aussi euh, financée par la Open Society mmh. de George Soros. Ils produisent des rapports qui sont immédiatement transmis, sans évidemment vérification sur place, à des ONG plus internationales comme Amnesty ou Human Rights Watch. Et pire que ça, il y a aussi la Commission des droits de l'homme de l'ONU. La Commission des droits de l'homme de l'ONU ne se base que sur les rapports de ces ONG-là. Euh, la Commission des droits de l'homme de l'ONU a fait plusieurs rapports sur le Venezuela, notamment en 2017, après les grands affrontements, le, les épisodes insurrectionnels. Donc c'est un rapport à charge. Je me suis dit, bon, il va falloir que je le lise, il va falloir que je me le tape, c'est 300 pages, etc. Je prends le rapport à la 15e ligne. À la 15e ligne, dans le rapport, dans l'introduction, c'est marqué La Commission des droits de l'homme de l'ONU n'a pas été au Venezuela et nous nous basons sur les témoignages de membres d'ONG. Donc, en fait, c'est un vase clos de mensonges mmh. qui montent dans différentes instances internationales. Les trois minutes sont mais, à peu près écoulées. et ben, pour conclure, je dirais que Amnesty International, et ce n'est pas anodin non plus, a demandé il y a quelques jours que les autorités vénézuéliennes soient traduites en justice devant la Cour pénale internationale de la haie. Et là, évidemment, on voit qu'Amnesty n'est pas neutre. Amnesty, c'est, si vous vous rappelez, l'ONG qui avait propagé la rumeur du vol des couveuses mmh. euh, dans, les, euh, dans les hôpitaux koweïtiens. Euh, Amnesty n'est pas neutre. Ça avait servi elle, à justifier la guerre, la guerre de gauche contre l'Irak. Amnesty première. joue un rôle dans euh, la, la, les, les attaques contre. Euh, ce gouvernement progressiste. Et donc, ouais. effectivement, c'est un, un véritable problème parce que les gens ont plus ou moins euh, confiance dans une ONG qu'ils pensent être une ONG neutre. J'aimerais ajouter un petit mot sur Amnesty parce qu'il n'y a pas que le Venezuela qui est un problème. Euh, cette nuit, j'ai reçu un article que j'ai demandé immédiatement de publier sur le site Investi Action d'une journaliste française indignée par le fait qu'Amnesty refuse de défendre Julian Assange refuse de considérer que c'est un prisonnier politique parce qu'il a dénoncé les guerres des États-Unis, refuse de le défendre comme journaliste, refuse aussi de défendre Chelsea Manning, qui est vraiment quelqu'un d'héroïque, pour avoir dénoncé justement les crimes des guerres des États-Unis, et là aussi Amnesty International laisse tomber. Donc personnellement, pour moi qui suis les guerres depuis 30 ans, je suis extrêmement choqué. Il faut rappeler aux jeunes que Amnesty, il y a évidemment des militants de base, des gens qui essayent de faire des choses bien, je ne dis pas que tout est à jeter. Mais au niveau de la direction et de ceux qui fixent les orientations, il y a des vrais problèmes. Amnesty a joué un rôle très important pour aider Bush à massacrer le peuple irakien en répandant le mensonge des couveuses. Et n'ont pas fait d'autocritique sur ça. Il y en a d'autres. Et je voudrais qu'on attire l'attention sur le fait que ça fait partie de ce qu'on appelle la propagande de guerre. Dans le livre USA, les 100 pires citations, on en a une de Paul Wolfowitz, le ministre de la guerre de Bush, qui disait... Euh, pour des raisons bureaucratiques, nous avons choisi un problème, les armes de destruction massive. C'était la seule raison qui pouvait faire l'humanité. Donc on a raconté aux gens n'importe quoi, l'unanimité, pardon, on a raconté aux gens n'importe quoi pour justifier une guerre qui a fait le massacre et le malheur du peuple irakien et qui continue maintenant, qui a joué un rôle très important dans le développement du terrorisme, de Daesh, des attentats qu'on a connus à Paris et en France. Donc moi, j'ai vraiment une question aux gens d'Amnesty. Qui attaquent le Venezuela, qui attaquent Julian Assange, qui n'ont pas de solidarité avec des victimes vraiment de la répression politique la plus effrayante. Est-ce que vous allez accepter un débat public sur ces choses-là Il y a des gens qui vous critiquent, il y a des gens qui se demandent d'où vient l'argent, il y a des gens qui se demandent pourquoi vous prenez des positions qui sont exactement celles de l'Empire des États-Unis et des puissances qui, qui martyrisent les journalistes et les, les, les peuples. Donc, est-ce que vous allez accepter un débat ou est-ce que vous allez considérer que vous êtes au-dessus de la mêlée et peut, vous n'avez de compte à rendre à personne et Je pense aussi que qu'aux gens de, des militants de base d'Amnesty International, qui sont des gens de bonne foi, bien mmh. entendu, et si tu nous regardes, toi, euh, t'inquiète pas, hein, le, 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 le grand chef d'Amnesty International, il ne nous regarde pas en ce moment. Mais par contre, toi, tu nous regardes. Euh, Essaie juste d'en de, débattre au sein de, de ta cellule d'Amnesty, dans ton pays, dans ta, dans, ton, dans ta ville, dans ton village. Et euh, essayez de débattre de ces choses-là. Vous allez voir, vous allez être euh, euh, très surpris, surtout si vous faites remonter en fait, le débat à des, euh, à des plus hauts niveaux. Voilà. On espère avoir euh, des retours sur ça. On va conclure. Il y a énormément de questions intéressantes auxquelles on va essayer de répondre euh, plus tard. On nous a appelés de beaucoup de pays. On est content d'avoir été utile. Je vais prendre congé parce qu'il est temps de retourner au boulot, n'est-ce pas Et euh, je vais juste annoncer les prochaines émissions de Michel Midi avec des sujets qui peuvent vous intéresser. Le 28 mai, je prends l'affaire Huawei et la bagarre entre euh, la Chine et les États-Unis. Le 4 juin, j'aurai un invité euh, qu'on vous fera connaître bientôt. Le 11 juin, j'ai Mohamed Hassan qui va parler de les États-Unis contre l'Iran et euh, une autre guerre qui vient peut-être. Le 13 du 6, je m'excuse, je reprends mon ordinateur parce que j'ai besoin de montrer des images. Le 13 du 6, j'ai Thomas Suarez, auteur du livre Comment le terrorisme a créé Israël. Il vient en Belgique, il répondra à vos questions. C'est un bouquin vraiment passionnant. Et le 18 du 6, on fera une revue de presse euh, des livres intéressants pour que vous ayez de quoi vous former pendant les vacances. Euh, je vais euh, montrer... Euh, Bon, moi j'avais écrit un livre, Les Sept Péchés d'Hugo Chavez, qui explique pourquoi on s'en prend depuis le début avec des coups d'état militaire, il ne faut pas croire que c'est récent, à Hugo Chavez et en fait au peuple du Venezuela pour l'empêcher de se libérer. On a un très très bon bouquin écrit par Maurice Lemoine, Chronique d'une déstabilisation, c'est publié au temps des cerises. C'est un très très bon bouquin qui raconte avec énormément de détails, de preuves, d'explications, ce qu'on vient de dire et qui permet de comprendre. Bah, je crois qu'on peut dire que c'est un livre sur la, 4e, la guerre de 4e génération. Oui, c'est vraiment il a, il a, il a extrêmement utile. Maurice Lemoine est euh, quelqu'un qui a travaillé au monde diplomatique, mais qui là défend une bonne orientation sur cette histoire et qui est vraiment solidaire du peuple du Venezuela. Voilà euh, au niveau des euh, publicités. On a évidemment des gens qui nous ont demandé où est-ce qu'on peut lire sur tout ça et qui demandent des infos sur le travail de Romain. C'est préparé. Vous avez euh, ici... Il a donc fait le blocus contre le Venezuela pour les nuls. Oui, alors ça, c'est un, une chronologie qui est voilà. disponible sur le blog. Alors je vais mettre l'adresse du blog dans les commentaires. Dans, dans tout une à seconde. fait. Euh, ici, on a euh, euh, les euh, euh, Facebook, Twitter et YouTube de. Euh, romain Migus, on peut déjà donner le nom du blog et puis on va la rajouter tout à l'heure dans les commentaires, le nom du blog est ah ben, l'adresse c'est romainmigus.info Migus, voilà. M-I-G-U-S M -I -G -U -S, voilà euh, un tout petit mot de conclusion Eh ben non je crois que j'ai assez parlé, et je pense que je vais te la laisser la conclusion et puis pendant ce temps là je vais finir de noter l'adresse sur les euh, commentaires très très bien euh, moi je vais remercier Romain parce que je vous l'avais dit c'est quelqu'un vraiment de très courageux est très euh, informé, très soucieux, très rigoureux. Il amène des faits extrêmement précis qui vous permettent de travailler contre la désinformation. Euh, je crois que c'est vraiment le genre d'invité dont on a besoin. J'ai euh, proposé à Romain de mettre toute cette expérience qu'il a dans un livre qu'Investigation pourrait publier sur la diabolisation du Venezuela. Je pense que c'est l'exemple d'un pays qui peut servir par rapport à beaucoup d'autres pays et il a une connaissance telle que ça pourrait être aussi pour les Gilets jaunes un très très bon instrument de lutte contre le Venezuela. Voilà, on va prendre congé. Merci Michel. C'était spécial, c'était long, mais je pense qu'on ne l'a pas regretté. Merci à vous de nous soutenir, de soutenir et de diffuser InvestiAction. Vous savez bien que le nerf de la guerre est très important pour gagner ensemble la bataille de l'info et pouvoir en parler autour de vous et mener la lutte pour la vérité. Merci à vous